Bonjour à toutes et à tous mes amis lions, mes rois de la savane. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin, qu'il fait pas trop chaud pour vous, que vous prenez soin de vous, de vos proches. Surtout, c'est important, hein. L'union fait la force, mes amis, n'oubliez pas ça. Moi, je vous l'envoie, hein. Vous en faites ce que vous voulez, mais j'estime que l'humanité, le fait d'être en pâte, c'est prendre soin de soi, bien évidemment, parce qu'on est la personne la plus importante, hein, bien sûr, mais aussi de notre ce qu'on aime. Donc, soyons unis et puis faites attention à vous, hein. Là, en ce moment, c'est caniculaire pour la plupart des Français. Donc, préservez-vous, préservez vos énergies et puis faites attention à vous, surtout, c'est important. Hein, prenez soin de vous, de votre entourage, je vous aimez, c'est crucial. Hein, voilà. Allez, sans plus tarder, mes amis, je vais vous faire les différents tirages, hein, pour le mois de juillet. Prenez vraiment, vraiment, vraiment ce qui vibre en vous, le reste poubelle, tout simplement. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Ce que vous désirez savoir sur les domaines bien différents de votre existence, c'est très important. Alors bon, c'est vrai que pour ceux et celles qui me connaissent pas et qui me découvrent, c'est vrai qu'on dit tout le temps allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, mais si on ne sait pas ce que c'est, par rapport à quoi, est-ce que ça sert? Je ne crois pas. Alors, bon, le signe lunaire, c'est vous, hein, ce que vous entreprenez, ce que vous envisagez de faire, vos énergies propres. L'ascendant, c'est tout ce qui est relatif au monde extérieur, tout ce que vous partagez avec les gens de l'extérieur, le relationnel. La lune, c'est les émotions internes, hein. Le corps parle, votre âme parle, votre cœur parle, vous parle, nous parle. Et c'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir justement débloquer des choses ou mieux les comprendre pour mieux les accepter, etc., etc. Puis la petite astuce, hein, quand on sait, quand on a la chance de savoir, par exemple, si on a un différent, on veut savoir ce qu'une personne pense de nous, de vous. Eh ben c'est sympa de savoir ce qui se passe dans sa lune. Au moins, vous serez fixé. Voilà. Puis la Vénus, ben c'est l'amour. L'amour. Voilà, mes amis. Allez, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages. N'oubliez pas, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Le reste, poubelle. Il se peut que, il y a quelques informations par rapport aux différents tirages que je vais vous envoyer, que vous allez vibrer, et d'autres pas du tout. Si vous commencez à vous poser des questions, c'est que c'est pas pour vous. Hein, ne cherchez pas plus loin que ça. Voilà mes amis, allez, message de caméra, même si ça ne se dit pas, et je vous dis à tout à l'heure. Allez, on va voir ça. On va commencer avec les énergies que vous allez avoir durant tout ce mois de juillet, mes amis, avec l'oracle de l'énergie. Je demande à l'univers. Merci. Pour nos amis lions, pour le mois de juillet 2022, quelques cartes. Merci. Un, deux, pas bah parfait. Voilà. En dos de deck. Oh, magnifique le cœur. Ah, bah oui, les lions, vous êtes des personnes de cœur. Généreux, généreuse, courageux, courageuse, vous donnez sans compter, hein. Et puis vous avez cette notion de tribu, de clan, de protection, hein. Vous êtes le roi de la savane, vous êtes là, non, vous n'êtes pas là pour protéger, mais vous avez cet instinct de protéger vos semblables, hein, ce que à qui vous avez beaucoup d'amour, des personnes qui tiennent une grande place dans votre cœur. Et là, on vous dit qu'il y a un homme, c'est pas forcément un homme, c'est l'énergie masculine, hein, l'énergie de l'initiative, prise de risque, d'initiative, le fait d'acter, d'actionner,
le fait de matérialiser, hein, c'est notre côté yang. Donc on parle de l'énergie yang qui aime. Il aime. Cette énergie, elle aime. Elle aime, elle vibre par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un projet, que sais-je. Allez, c'est parti. Tanana, victoire. Ok. Waouh! Eh, c'est votre mois en plus, juillet, août. Hein? Fin juillet, quoi, 23, 24, je ne sais plus. 23, 24 juillet, jusqu'à mi-août, hein, si mes souvenirs sont bons. Wow. Bah alors là, mes amis, ça ne tient qu'à vous. C'est vous qui décidez. Oui, c'est un peu périlleux. C'est vrai. Vous avez le rôle de la victime et du bourreau. Ok. Mais vous savez, vous avez beaucoup d'instinct. Vous avez beaucoup de connexion. Vous ressentez les choses. Vous savez ce qui est bon pour vous. Là, vous avez la victoire sur peut-être une appréhension. Si c'est au niveau cœur, alors vous allez achever quelque chose, vous allez accomplir quelque chose avec de l'abondance, mais de l'abondance. De l'abondance, mes amis. Et enfin, l'équilibre au niveau de votre foyer, au niveau de l'entreprise, au niveau de votre communauté. Hein, c'est divers et varié la communauté, hein, mes amis. Hein. On peut avoir une communauté qui nous est propre, c'est-à-dire de manière filière, hein, par rapport à ce que la famille qu'on a créée, mais aussi ça peut être la famille, les descendants, ok. Mais aussi au niveau communautaire, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel, un petit clan. Là, je vois que si vous avez mis des démarches au niveau judiciaire, ok, mais vous allez devoir faire un choix, un carrefour prédominant de votre existence, mes amis. Vous savez qu'il y a une situation, un état d'esprit, une relation qui ne vous convient plus. Votre challenge, c'est de quitter ce mal-être, cette instabilité. Cette instabilité aussi émotionnelle qui vous a impacté, qui vous impacte encore. En tout cas, peu importe ce que vous avez décidé de faire, je peux vous assurer, si vous... Je vous entends déjà dire, ah, ça ne va pas marcher, et si je me trompe de chemin, et si je vais pas y arriver, ou j'aurai pas les finances nécessaires, ou ça va bloquer, et ceci, et cela. Non, victoire. Vous aurez beaucoup d'abondance. L'abondance, c'est pas que financier, mais aussi. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup... Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Nous allons voir ça plus en profondeur avec les différents tirages que je vous propose. Alors, famille heureuse, c'était le cœur de cet homme. Je la remets. Nous allons voir avec l'oracle du Béline. Alors, je vais vous proposer une carte pro, une carte relationnelle et amoureuse, sentimentale, une carte rien que pour vous, pour votre développement, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quels sont les blocages? Quelles sont les solutions pour débloquer, pour avoir plus confiance en vous, pour vous amener vers cette victoire? Ok? Ensuite, les finances. Ben oui, on en a besoin des finances dans ce bas monde. Allez, c'est parti. Puis avec la carte de l'abondance. Allez. Mes anges, mes guides, je demande avec grâce et humilité quelques cartes pour nos amis. Pour le pro, merci. Pour le relationnel, pour nos amis Lyon, merci. Pour leur développement personnel, pour nos amis Lyon, pour le mois de juillet 2022, merci. Pour l'argent, pardon. Merci.
En dodo-deck, nous avons l'héritage, tout ce qui est legs, tout ce qui est filiation, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est expérience, tout ce qui est des intentions, hein, l'intention d'être victorieux, victorieuse par rapport à une situation, une relation. Vous avez les capacités, vous avez l'expérience, vous avez le potentiel pour, je ne sais pas, c'est comme si que vous êtes à une épreuve, vous subissez pas, il y a une épreuve à faire, des efforts à faire pour sortir, pour vous libérer, comme d'une injustice, c'est ce que je ressens. Il y a une victoire, hein, vous aurez les honneurs, de toute façon. Même s'il y a des retards, même s'il y a des blocages, ce que je ressens, c'est que plus vous êtes dans l'intention, plus vous allez vibrer l'avancement et la confiance de la concrétisation de votre projet, quel qu'il soit, plus vous allez être amené à dépasser cette épreuve professionnelle. Les plaisirs, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que vous aimez ça? J'adore être reçue. J'adore quand un lion ou une lionne me reçoit chez elle ou chez lui. On ne fait pas dans la demi-mesure. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. C'est très, très, très festif. Des produits de qualité. Vous adorez partager. Vous adorez donner. Ah oui, non, ça, franchement, je peux me permettre de le dire parce que je l'ai vécu et c'est vrai que vous, mes amis lions, vous êtes des boules d'énergie positive et optimiste. J'adore. Donc oui, il y aura des invitations, il y aura des propositions, il y aura des échanges, mais avec beaucoup de cœur, d'émotions positives, de sincérité, j'entends. Nous allons voir avec le Normand un peu plus d'informations. Je demande à mes anges et guides, à l'univers. Là 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 là, ah là 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 là. Eh oui, il fallait que ça se passe comme ça de toute façon, hein. Regardez. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Il y a eu une trahison, hein. Il y a eu une personne très très sournoise qui était là par intérêt, qui était là par profit, qui a été vraiment pas honnête avec vous. Une situation, hein, qui n'a pas été honnête. Un manque de sincérité. Un manque de loyauté, j'entends. Concernant l'argent, et on en découle, hein, parce que ça, vous le savez. Mais vous êtes, on parle de famille, hein, d'héritage. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes au niveau familial, vous avez une entreprise familiale et puis vous faites tout le travail à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est l'autre qui a les éloges. Ou alors vous considérez l'entreprise dans laquelle vous exercez comme une famille et on profite de votre engagement, de votre loyauté, de votre expérience. Mais vous êtes convaincu, vous savez que, bon, c'est triste pour vous, mais vous allez être vous êtes ancré, vous êtes décidé à passer outre. Il y a un temps d'analyse pour votre futur, c'est tout. Mais vous avez les capacités. Ouais, regardez, il y a une solution. Je le ressentais vivement parce que vous avez la niaque là. Là, ça commence à bien vous. Je veux dire, c'est trop lourd pour vous. Il y a une injustice. Il y a des émotions très fortes vous concernant et c'est totalement légitime. Mais vous allez vous libérer d'une emprise, d'une mainmise sur votre expérience, sur vos capacités. Et vous allez aussi trouver une solution à cette problématique qui vous a vraiment miné,
et qui vous a quand même assez. Ça a été. Vous avez été abasourdi. Vous le ressentiez au début, mais pour vous, vous en doutiez. Vous dites non, c'est pas possible. Et finalement, vous vous êtes rendu compte que cette personne était vraiment, ou cette situation était vraiment malsaine, toxique. En tout cas, vous trouvez la solution. Avec la victoire, tout se résout, mes amis. Je ne dis pas d'un coup de baguette magique. Il faut cette intention. N'oubliez pas l'héritage. Vous avez les capacités de dépasser cette épreuve. Et vous aurez les honneurs. Amour. C'est le calme plein. Hein. C'est le calme. C'est le calme, vous doutez. C'est instable. Au niveau des émotions, vous êtes déstabilisé par les émotions. J'entends comme ça. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Vous avez été déçu, c'est ce que je ressens. Nous allons voir ça. Je demande quelques cartes. Merci. Invitation pour monsieur ou par rapport à monsieur. Et regardez, il y a encore la clé. Tout va solutionner. Il suffit simplement de prendre conscience, de dire nos vérités, quoi, vos vérités. Être authentique, ne plus porter de masque. De communiquer. Quand on sait, on comprend. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, vous savez, vous allez avoir peut-être, ça c'est assez particulier, attention, c'est assez singulier. Il peut y avoir des personnes qui vont se confier à des personnes mûres, sages, avec de l'expérience. Mais on vous dit que vous l'avez, cette expérience, de solutionner cette problématique d'une façon ou d'une autre. Vous avez ce potentiel-là. Faire ce choix aussi. Oh, elle s'est retournée. Oh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup peut-être d'appréhension parce que on est encore, vous êtes encore. Pourquoi je dis non? Enfin bref, c'est pas grave. Vous avez peur. Ça, c'est les peurs qui vous bloquent et qui vous fait douter. Mais j'ai envie de vous dire, plus vous allez être sincère dans la conversation, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et en informer vos intentions. Et c'est ça qui va. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, beaucoup de bien-être avec cette personne. Même s'il y a eu des hauts et des bas, même s'il y a des incertitudes, des doutes, il y a un potentiel. Et pas négligeable. Donc, j'ai envie de vous dire, on vous ouvre une porte, là, l'univers est avec vous. Pour vous ouvrir une porte, soit une réconciliation avec une personne, soit avec une nouvelle rencontre, j'entends. Une nouvelle rencontre. Mais vous connaissez cette personne. Va avoir une invitation pour une déclaration. Ou pour mettre les choses au point par rapport à des doutes que vous avez concernant cette relation, cette liaison, cette personne. Nous allons voir au niveau, c'est vous, là on parle de vous. Les pénates, oh, vous restez, oh, c'est pas vous ça pourtant, restez chez vous, vous cloîtrez. On vous dit de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin. Si vous le faites, c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences autour de vous qui peuvent vous influencer sur une mauvaise voie. Le mieux, c'est que vous avez la réponse en vous. Je vais voir ça de plus près. Concernant, pour nos amis, l'oracle des météores, pardon. Il y a beaucoup de.
De doute, hein. Si vous doutez, et si vous doutez, regardez, je vous l'ai dit, hein. Il y a des disputes, je vous ai dit, c'est comme ça, hein. De toute façon, avec le lion, c'est jamais linéaire, ça sera ennuyeux, hein, très ennuyeux, il faut mettre du piment dans votre vie. J'adore. Malgré les disputes, hein, corps physique souffrant, vous donnez beaucoup, sans compter, on vous dit, faites attention à vous. Vous êtes éreinté, épuisé. Votre corps vous parle. Et selon l'endroit où vous avez mal, il y a une signification à ça. N'hésitez pas à aller voir à Internet. Si vous avez mal au bas du dos, je vous donne un exemple. En bas du dos ou au dos, c'est des responsabilités qui ne sont pas les vôtres que vous portez. Hein. Sachez faire la différence. Je donne un exemple comme ça. Mais regardez sur Internet, informez-vous. Hein, mais si vous doutez, c'est un amour durable. Il y a incompatibilité par rapport à des émotions, peut-être de l'un et de l'autre, qui ne sont pas forcément les mêmes. Hein, vous ne vivez pas la même situation de la même façon. Hein, les émotions ne sont pas les mêmes. Mais là, j'ai envie de vous dire, si vous vous posez des questions, c'est un amour durable. Ce n'est pas une liaison, ce n'est pas une relation sans lendemain. Bien au contraire, il y a du potentiel. L'argent, ah oh, je n'ai ni rien, c'est stérile, mais j'ai envie de vous dire, ça arrive. Pourquoi c'est stérile? Parce qu'il y a des blocages, vous faites des nœuds, ça n'avance pas, il y a des retards, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des retards. Pourquoi? Parce que vous avez des doutes, vous savez pas comment faire. Je pars, je m'en vais, je reste, je trouve des solutions à cette problématique. Je dis mes quatre vérités. J'en peux plus de garder tout pour moi. Y a peut-être eu aussi un abus de confiance aussi. Nous allons voir ça. Je reprends mes cartes. Ou alors non, je les laisse là. Je vais reprendre le Normand pour voir. N'oubliez pas, c'est quelque chose, c'est passionnel, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Que ce soit une personne ou une situation. Et ça peut être plein de choses parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Ça peut être votre vie en général. Ça fait beaucoup. Marqué, j'ai rien demandé non plus. Donc je demande, je vais faire ma demande à l'univers. S'il vous plaît, l'univers, je demande pour nos amis lions pour le mois de juillet concernant les finances. Parle d'une femme. Ouais, des doutes, des peurs, des angoisses. Mais il y a une forte intuition, il y a une forte connexion. Bien sûr, si vous restez avec ce qui ne va pas, ce qui vous manque, vous n'allez jamais solutionner votre problématique. Voyez les perspectives, voyez la solution, ne voyez pas le manque. C'est pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas constructif. Vous n'avancerez pas. Et il y aura encore plus de blocages et de retards. Vous voyez l'idée? Vous êtes prêt? Vous allez avoir des messages au niveau de vos rêves. Hein? N'hésitez pas à mettre un papier, un stylo pour que lorsque vous vous réveillez, vous notiez ce que vous vous souvenez. Hein? Même si ça paraît farfelu au premier abord, bah avec le temps, si vous le faites pendant 7 nuits consécutives, vous allez voir qu'il y a un message très parlant, hein? Très très parlant, très net. Et la plupart du temps, on ne se rend pas compte, mais c'était là, devant nos yeux, et on ne l'a pas vu. Et c'était une évidence, ça criait en nous. Parce qu'on était tellement perturbés par ce qu'on nous a fait, la négativité. Hein, si on vous a escroqué, si on abusait de vous, si on vous a fait des promesses non tenues, etc., etc. Généralement, l'être humain, il est comme ça. Il reste sur le négatif. Mais là, on vous conseille vivement d'aller vers cette victoire. Une dernière carte pour voir la solution. Ouais, vous affirmez, tout simplement. Vous affirmez, tout simplement, par rapport à une personne autoritaire. Montrez-vous tel que vous êtes. Une personne qui peut avoir la mainmise sur vous, un patron, une maman, qui essaye de diriger votre vie. Y a la réussite. Il y a la joie retrouvée, l'harmonie.
Il y a l'argent qui arrive, même s'il y a eu des conflits concernant une personne qui était dans les profits. On parle de travail aussi, cette personne qui est au travail, qui vous l'a fait à l'envers. Hein, il y a des documents à effectuer pour faire valoir ce que de droit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous êtes guidé. Vous pouvez espérer. Il y a le succès au bout du chemin. Nous allons voir ensuite au niveau quand même sentimental l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Allez, je demande à mes anges et mes guides quelques cartes pour nos amis Lion. Ça fait beaucoup. D'accord. Et bon, au moins là. Ok. On vous demande, de toute façon, je vous ai dit, vous avez des ressentis. Ne vous voilez pas la face. Vous savez ce qui est bon pour vous, mes amis. Vous voyez clair, hein, de toute façon. Ne soyez pas dans le déni. Mais là, on vous dit non. Pour l'instant, non. Si vous pensez à quelque chose, on vous dit c'est pas le moment. Non. Attention, vous allez y laisser des plumes à l'heure actuelle. Parce que vous êtes trop sensible. Vous êtes trop à fleur de peau. Vous êtes trop en manque de. Vous n'êtes pas en état émotionnel et psychologique à vous engager dans quoi que ce soit ou à prendre des décisions. On vous dit d'abord, il y a la guérison qui se fait actuellement en vous, même si vous ne le ressentez pas. Il y a un mal-être en vous. C'est une forme de transformation énergétique. Il faut que tout se réaligne. Vous êtes un peu chamboulé. Vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions en étant objectif. Pour la concrétisation de votre projet, ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous ressentez, vous savez, je vais vous la mettre là. Écoutez vos ressentis, vous êtes guidés, mes amis. Ne doutez pas. Si vous avez la chance d'habiter à côté de la mer ou de l'eau, hein, il y a un étang, je ne sais pas, n'importe quoi, mais vous voyez. Pour l'union, pour l'officialisation d'une relation, on vous dit, là, par rapport aux cartes, hein, on vous dit, c'est pas le moment. Et pourtant, ça vibre fort. Il y a une attirance, c'est passionnel. Mais la passion, ça peut être aussi destructeur. Donc, vous n'êtes pas. Là, il y a une guérison en vous. Vous allez le ressentir quand vous allez être beaucoup plus. Plus apaisé, plus aligné. Vous serez beaucoup plus objectif. Ne restez pas dans le fait de ruminer, j'entends. C'est pour ça que j'avais entendu de l'eau. Allez vers l'eau, le soleil, la mer, la piscine découverte, un étang, la nature, mais la nature avec de l'eau. Je sais pas, j'entends de l'eau, pas la nature dans les bois. La nature où il y a de l'eau. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ça va vous apaiser, vous régénérer et ça va vous calmer surtout, hein, parce que vous, signe de feu, hein, lion, ça boue. Donc, ça va vous calmer, vous allez être beaucoup plus objectif, beaucoup plus serein, beaucoup plus stable au niveau émotionnel. Et vous allez pouvoir voir et comprendre et même aller vers ce en quoi vous désirez. Il n'y a pas de mal de dire je ne suis pas encore prêt, prête pour m'engager dans un partenariat, dans une relation, dans j'ai besoin de temps, même si entre nous c'est fort, très très fort, c'est passionnel, c'est fusionnel, c'est prenant, c'est viscéral. Hein. Là on vous dit c'est possible, c'est pas encore le moment. Vous allez avoir la chance. Vous allez de tout. Regardez, hey, c'est juin. Après, vous pouvez être guéri et puis finalement, ça y est, ces énergies-là, vous les avez, c'est le passé. Moi, je dirais présent-passé. Mais pour certains, c'est déjà passé. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là. De construire, parce que c'est
De construire, voilà. Merci mes anges, de construire, de bâtir sur des nouvelles bases et que ça soit vraiment dans le temps. Et regardez, c'est au mois de juillet. Donc c'est... Pour d'autres, ça peut être des interdictions que vous vous êtes mis des barrières. Vous avez attendu que vous soyez beaucoup plus en accord, plus en disposition de pouvoir vous engager. Ouais, ça reste un tirage général, c'est pas évident parce que moi, ce que j'ai ressenti pour la plupart d'entre vous, c'est d'abord on se pose, on met les choses à plat, on en parle avant de s'engager comme ça, tête baissée, hein, de se précipiter. J'entends, prenez le temps, ne réitérez pas les mêmes erreurs qu'auparavant, prenez des leçons de vie, hein, n'oubliez pas, vous avez l'expérience. J'entends pour certaines personnes, n'oubliez pas quand des relations n'ont pas été validées, je veux dire où il y a eu beaucoup de blessures qui n'ont pas fonctionné, c'est parce qu'il y a eu trop de précipitation, il y a trop de fougue, il y a trop d'impression. Hein, ne réitérez pas les mêmes erreurs. Justement, l'univers vous teste pour voir si vous avez compris. Mais il y a bien un lien très très fort. Waouh! Ouais, ça a pris du temps. Ça prendra du temps aussi, vous avez besoin de temps. Regardez, c'est envoyé par l'univers. Et dans vos rêves, on vous envoie des messages clairs, nets et précis. Ne sautez pas du lit dès que vous vous réveillez, mes amis lions. Prenez le temps de vous concentrer, de vous rappeler, de prendre un moment de pause pour vous rappeler ce voyage que vous avez fait durant la nuit, ce que vous avez découvert, quel film on vous a passé. Vous voyez? Et regardez, projet. Vous allez pouvoir concrétiser ces projets, hein, mais il y aura du temps. Vous avez besoin de temps. De temps pour pas brûler la bougie des deux bouts. Hein, pour que ça ne soit pas un feu de paille. La passion, ça prend vite, mais ça s'arrête très vite aussi. C'est très destructeur quand on ne sait pas gérer ses émotions. Donc là, on vous dit, faites bien attention. On vous dit oui, c'est vraiment la belle personne, la bonne personne pour vous. Oui, vous êtes sur la bonne voie, mais ne vous précipitez pas, de grâce. Je l'entends et je le réentends. Donc je vous l'envoie. Déclic. Vous allez bing. Vous allez, ça y est, c'est bon. Une fois que vous serez prêt, regardez l'expérience. C'est vos expériences. Vous allez vous souvenir des expériences passées, vous allez vous rappeler. Waouh! Waouh! Tout est possible, n'oubliez pas, hein. Il y a le cœur, la famille heureuse, la victoire, la corne d'abondance. Mais il y a un choix à faire. Ah, on n'a rien sans rien, mes amis. L'univers, eh bien, il nous aide, il n'y a aucun souci, mais il faut qu'on prenne. Nous avons ce libre choix, ce libre arbitre. Hein. Nous avons le choix du roi. Tant qu'on ne met pas nos intentions en pratique, l'univers ne peut pas nous aider, ils ne peuvent pas interagir. Il ne peut pas interagir à notre place. Nous sommes co-créateurs. C'est à nous de mettre. D'avancer, d'ouvrir cette porte et l'univers va nous aider par la suite, il n'y a aucun souci. Il va vous mettre des personnes influentes mais positives pour la concrétisation du projet que vous avez envie de concrétiser. Et pour terminer, mes amis, nous allons voir avec les messages, les conseils, les messages, les conseils, on va voir ça ensemble. Vous prenez ou vous prenez pas, ça vous parle, hein? N'oubliez pas, mes amis. Pour nos amis, pour le mois de juillet. S'il vous plaît, merci. Bon, je vais en prendre une autre, bien sûr, parce que bon, ça on le sait, hein, les solutions, elles n'arrivent pas comme ça. Ne restez pas avec ce manque, hein, ce côté négatif. Allez vers la construction, c'est-à-dire apporter des solutions.
essayer de trouver des solutions. C'est une projection à une libération. Donc, dès qu'on projette quelque chose, nos pensées font notre avenir, notre devenir. Donc, si vous pensez à solutionner, l'univers va vous aider, va vous amener les énergies nécessaires, des personnes compétentes ou un autre état d'esprit va vous aider dans cette ascension. Un autre conseil, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour nos amis. Merci. Restez positive, restez confiant, confiante, ayez foi. N'oubliez pas d'où vous venez. Ce n'est pas la première fois que vous avez ce genre de situation à gérer. Ce n'est peut-être pas de la même façon. C'est ce que je reçois. Ce n'est pas de la même façon, mais c'est du kif-kif boricot. C'est une autre stratégie. C'est un courage à avoir. Soyez positif, soyez confiant. Et en dodo-deck, j'aime bien le chiffre 3, je ne peux pas 2. Je vous l'ai dit, présentez vos requêtes avec sincérité. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous ne voulez pas. En communication, c'est hyper important. La communication est, on va dire, vitale, cruciale. C'est une bonne fondation, la communication, hein. On sait, on comprend. On ne sait pas, on ne comprend pas et on ne peut pas deviner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dites ce que vous désirez, ce que vous... Comment vous voyez cette situation, cette relation? Et soyez fidèle à vous-même. Ne laissez personne interagir. Visez la réussite. Commencez à explorer. Donc, allez vers la construction et pas sur oh là, il m'a fait ci, il m'a fait ça, oh là 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 là, je vais te bouffer. Ou je vais. Vous voyez, restez pas, ne vous nourrissez pas de ça parce que vous allez vraiment même pas avancer. Vous n'allez pas avancer, ça c'est clair. Vous allez que rester dans ce marasme, ce sable mouvant. Et vous allez dépenser de l'énergie, mais inutilement. Vous voyez, solutionner, trouver des solutions. Vous êtes très intelligent. Hein? Claquer la porte, il faut claquer la porte. Je dis ça, je dis rien. Mais vous savez, vous avez les ressentis. Vous voyez clair. Vous voyez clair, c'est ce que j'entends. Voilà, mes amis, c'est toujours un honneur et un privilège de vous faire ces différents tirages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à commenter. Je vous lis toutes et tous, mes amis, sans exception. Et je réponds, ben, je n'ai pas de tête, je n'ai pas le temps, mais tout le temps, un petit pouce ou un cœur, selon ce que vous me dites. Hein. Je prends très au sérieux vos messages. Hein? Pour moi, c'est un appel. Ça veut dire beaucoup. Et puis, je voulais vraiment remercier votre authenticité, votre courage à dire publiquement ce que vous vivez. C'est pas évident. C'est pas évident de se dévoiler comme ça, surtout sur YouTube. On ne connaît personne et on expose sa vie. Moi, respect, respect, respect et gratitude infinie. Voilà, mes amis, je vous fais des gros bisous. Je vais faire encore mes guidances pour le mois de juillet. Je n'ai pas terminé. Et je vais faire les guidances pour la semaine prochaine. Hein, je vais faire les semaines maintenant. Maintenant que mon ordinateur est réparé, il a fait un check-up, il est tout beau, tout neuf, tout jeune et il va beaucoup plus vite, j'en suis. Mais ravi, vous ne pouvez pas savoir comment ça ramait, ça n'allait pas. Et puis là, voilà mes amis. Bah, écoutez, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous et centrez-vous.
sur ce qui est constructive. Bisous.